Bonjour les amis, merci d'être fidèles à BF1. Je disparais dans mon décor, c'est normal. Je porte une jolie robe de Oumsé, c'est blanc. Voilà. Merci beaucoup de nous suivre, merci de choisir le loft, merci d'être fidèle à BF1. Alors, un nouveau jour et une nouvelle découverte. Bon, c'est pas vraiment une découverte, mais moi j'ai envie de dire, enfin ça arrive. Parce que je me demandais quand est-ce que ça allait arriver. C'est arrivé. On en parle aujourd'hui. Alors, on a une émission en deux parties, vous le savez. Donc, dans une première partie, on a un entretien. Dans la première partie et dans la deuxième partie, on a un thème. Des invités, on échange et on espère votre contribution pour les deux parties. Alors, pour l'entretien, aujourd'hui, comme hier, je suis en mode shampoing. Je fais du deux en un. Voilà. Donc, on a un duo qui est là d'artistes, non mais en fait de voix. Moi, la seule question que je vais leur poser avant de leur donner la parole, c'est comment ils se sont débrouillés en studio pour régler les micros et tout ça, quand tu connais la puissance vocale de chacun. Ils ont vraiment, on va dire que c'est de grandes voix de la musique burkinabé. Lui, il a été une sacrée révélation à une époque, on va dire que c'est l'artiste des records. Elle, c'est la voix qui nous représente. C'est l'artiste des trophées. L'autre également, l'artiste des trophées. Et ils se retrouvent aujourd'hui dans un duo. Bon, nous avons un peu surpris sur les réseaux sociaux. Mais ça s'explique maintenant. On a la chance d'avoir sur ce plateau pour vous Greg et Pamika. Merci les amis d'être là. Comment vous allez? Dis les dames Alors, d'abord. Très bien. J'ai fait exprès de poser la question comme ça pour voir comment vous alliez réagir. Les dames d'abord. Moi, je suis galant, donc Merci, tu vois. C'est vrai. C'est pourquoi d'ailleurs ça marche entre nous. Ah. Et... Quand j'ai vu une publication sur Facebook hier où on parlait des hommes aussi en disant qu'on ne joue pas à leurs femmes, mais il faut qu'ils. 12. Non, non, ils n'ont qu'à revoir un peu le côté romantisme là. Parce que... Ils ne sont pas romantiques. C'est pas moi qui l'ai dit, hein, je l'ai vu sur Internet. Comment ça va, Fabrika? Je vais bien, merci. Et toi? Ça va. Super. À peine la bague au doigt, tu pêches déjà? Alors, on a dit faites ce que je vous dis de faire, mais ne faites pas ce que je fais. D'accord. Voilà, donc, okay. Du coup, tout peut arriver. D'accord. En tout cas, on a vu. Greg, oui. Comment ça va? Ça va. Bien. Bien. Ok. Mm-hmm. Tu nous surprends. Comment? On a entendu des promesses il n'y a pas longtemps. Que? Et là, tu pêches. Oh, tu sais, le péché, ça n'a pas commencé par moi. Hein. Ok. Même Adam et Ève ont péché. Ce n'est pas moi, le citoyen lambda, qui ne va pas pêcher. Oui, non mais tu sais, j'ai pas le choix, tu vois. Ouais, je te comprends quand même. Tu me comprends, tu vois. Mais, bien que dans la peau d'une femme, je te comprends. Donc du coup... Je vais juste enlever mes verres. Peut-être que... Pour bien me voir, c'est ça. Il y aura confirmation. Pour bien me voir. Bien sûr. Mon péché mignon. Ah, je t'adore. En fait, la question que j'ai posée en intro, je la pose vraiment sérieusement. Parce que j'ai eu la chance, c'était accidentel, de me retrouver un jour au studio okay. avec vous deux qui enregistrez. Naturellement, j'étais de l'autre côté. Et j'ai vu comment il fallait gérer vite, vite, parce qu'il y a des gens qui montent au haut. Mm-hmm. Chacun. Oui. Pris individuellement. Vous deux, oui. ensemble, oui. au studio. Comment oui. ça se passe? Déjà, il faut dire qu'au studio, c'est tout un circuit. Oui. Peut-être qu'il faut... Il faut demander mieux aux ingénieurs de son. Ils sauront mieux t'expliquer parce que D'accord. il y a des appareils qu'on appelle par exemple le compresseur. D'accord. Le compresseur fait que en fait tu peux crier, mais la voix ne sature pas. D'accord. Donc du coup, voilà, chacun peut donner autant de puissance qu'il veut, mm-hmm. mais ça ne sature pas. D'accord. Donc voilà, c'est géré techniquement. C'est géré, donc chacun passe. C'est pas qu'il faut régler mm-hmm. tout le temps en fonction de. C'est vrai, ça arrive qu'on essaie de retoucher, surtout pour ceux qui sont plus. Il y en a eux-mêmes là, il n'y a pas moyen. Mm-hmm. Quand tu règles comme là, ils saturent. On dirait ils ont avalé, mm-hmm. je sais pas, du titanium. ou... donc c'est déjà réglé au préalable, mm-hmm. de sorte que voilà. le travail puisse être fluide. D'accord. Le problème qui peut résulter est souvent lié à la taille. Donc, si le raccoyeur passe, il faut baisser le micro pour lui. Bon, mais non, mais je pense que pour vous deux... En fait, c'est... Tout est bien dosé. Exactement. Tout est bien dosé. Tu vois. Comme je sais que, voilà, et
souvent, il n'est pas aussi raccueillant qu'on le pense. Hein. Non, non, il est juste à mon goût. Non, en fait, pour toi, c'est... À son goût. Non, 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 il est juste à mon goût. Mmh. C'est la taille qu'il me faut. Moi, je me contente d'observer. Hein, Et je ne sais pas vous, moi, j'ai vraiment remarqué, ils sont arrivés tous les deux. Vous avez décidé tous les deux de porter un pantalon blanc exprès ou... Non, 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 il faut dire qu'il y a une connexion. Oui. Qui et une pas certaine télépathie entre voilà, vous. Voilà, la télépathie. Donc, chacun se lui dit... Oui, et quand je suis arrivée, je l'ai vu comme... Je sens qu'elle va porter du blanc. Sur la tête, sur la tête de ma mère. Je ne savais pas qu'elle allait porter un jean blanc. Franchement, ouais. Moi non plus, mais bon, rien ne m'a étonnée. D'accord, ok. Vous avez quand même tous les deux, on va dire, chacun une jolie carrière. Ok. On vous suit, vous nous rendez fiers. Merci. Vous avez des thématiques quand même assez exceptionnelles. Il y a des fois où tu m'as donné froid dans le dos. Comment? Franchement, il y a un de tes titres qui est devenu générique d'un film. Oui. Et la première fois que je l'ai entendu, oui. Je te promets que j'ai eu froid. Tellement, en fait, ça dit une vérité qui est profonde et qui est souvent, c'est flagrant et en même temps subtil. Donc, franchement, merci. Donc, tu vois que c'est une fan. Ouais. Ouais. Mais toi, je pense que si tu ne connais pas mon préféré de tous tes titres, je pense que là, on arrête l'émission. Non, non, je connais. Je connais. Tu veux que je dise ? Vas-y. Ma flamme. Ah, il le sait. Ah. Sinon, on arrête l'émission là tout de suite et puis ouais. On avance. Stéphanie, il faut arrêter. Ouais, là, il ne faut pas en faire trop. À plusieurs parce que fois. Je suis là. Non, ne t'inquiète pas. Je suis fan. Point. Ok. À plusieurs reprises. Eh bien, ça commence comme ça. Moi-même, j'ai été. Au départ, c'était. C'était fan. Tu vois, ouais. Et après. T'es toujours fan. De fan bien à sûr. Fan. Mais t'es toujours fan. Trop. Ben voilà. Ah, t'es trop fan, même. Ouais. Mais t'es pas passé groupie. Écoute, Stéphanie, tu sais, c'est pas tout qu'on dit. Ah. Faut te contenter d'écouter ce que je dis. Et d'analyser. Ne pas creuser plus. Faut analyser. Analyse. D'accord. Oh. Donc, Greg également, une très jolie carrière. Bah, tu le connais, ce titre-là. Franchement, je sais pas ce que t'as mis dedans, mais moi. Ouais. Ouais. C'est voilà, c'est des titres de Grec. J'ai mis ce que tu voulais que je mette. Que j'écoute en boucle encore ouais. Et encore. Et... Ton sourire voilà. M'a redonné l'envie d'écrire, croire à nouveau que je peux réussir, à croiser celle qui me donnera enfin le rire. Le rire à la quête duquel j'ai croisé le pire. Vos illusions, j'ai eu beau essayer d'y croire, et je suis retombé dans le désespoir. Mais maintenant, je crois avoir trouvé ma flamme d'espoir. Et jamais plus personne ne m'empêchera de croire que tu es la femme qui soignera mon âme, blessée par toutes ces larmes. Oui, éclaire-moi ma flamme. Mon corps te désire, mon âme te désire et mon esprit te désire. Oui, c'est toi seul que je veux. Est-ce que je peux ne pas aimer cette chanson? Est-ce Amica? Qu'on peut ne même pas l'aimer lui? T'as vu? Oh, moi, c'est mon coup de cœur de tous les temps de Greg. Ouais. Mais j'ai envie de dire, ton titre qui est intemporel, c'est quand même La fille à bon vent. Oui, oui. On a un clip. Oui. On a ressorti le clip. Pas de rétro, les gars. Surtout on fait pas ça. Surtout on va revoir le clip de La fille à bon vent. Non, pas de ouais, rétro. Mais en même temps, il faut que tu te rendes compte oui. Du chemin parcouru. Ouais. Et des étapes franchies. Oui. Des victoires engrangées. Oui. Depuis ce clip. C'est on vrai. Le regarde. C'est vrai. Oh,
C'est un message qui est très d'actualité. Ouais. On a besoin de ça, de ramener ça au bout du jour, de le passer l'entendre. En boucle, de l'entendre, de se rendre compte que c'est important de vivre en paix. Et t'as dit quelque chose qui va te rattraper là tout de suite. Oui. T'as dit, c'est un moré, je traduis, si tu avais l'opportunité de recréer le monde, tu te serais arrangé pour que Adam et Ève ne mangent pas le fruit défendu. Oui. En d'autres termes, pour qu'ils ne commettent pas le péché originel. Monsieur, oui. On peut savoir pourquoi vous péchez, vous qui aurez été effacer le péché originel? Mais puisque les ancêtres ont péché, c'est pas moi, je ne veux pas pécher. Mais t'es conscient que c'est des bêtes. Non, mais j'ai pas le choix. Depuis qu'ils ont péché. C'est écrit dans tes gènes. C'est ça, en même temps. Quand ils ont croqué la pomme, là, c'est mort en même temps. Mais pour nous, c'est mignon. C'est un péché mignon. Mais un péché mignon, en général, c'est un péché dont on s'efforce de s'éloigner. Quand même. Parce qu'on se rend compte que. On aime, mais ça ne nous fait pas forcément de bien. Ça nous... C'est pour dire que c'est un péché qu'on peut qualifier de banal. Ça va, c'est pas si grave que ça. On peut se le permettre tranquille. Voilà. Ça ne fait de mal à personne. Oui, c'est ça, t'as compris. Quand tu regardes ce clip maintenant, ça fait combien d'années déjà? Ça fait, disons, 8 ans. Quand même. Ouais, donc, quand même. Aujourd'hui, quand tu le regardes, est-ce que tu le referais autrement? Pas la chanson, hein, on est d'accord qu'elle est parfaite. Oui. Mais est-ce que le clip, tu le referais autrement? Naturellement. Parce que la vision, quand je dis la vision, c'est pas la vision, mais là, ça évolue. Okay. Voilà. Là, disons qu'on était un peu plus primitif. Tu mets primitif il y a 8 ans? Oui. C'est pareil. Oui, en griffe quoi. Ah, pour c'est dire vrai que 8 ans, 8 ans quand même. Parcouru, voilà. Et aujourd'hui, je pense que j'aurais fait le clip autrement. Ok. Avec plus d'effets spéciaux. Très représentatifs en fait. Voilà. Avec plus de technologie. La pomme allait plutôt apparaître un peu comme, tu vois, fiction et qui disparaît. Et puis, on sent que ce monsieur-là, il s'est immergé dans l'univers de l'audiovisuel. Voilà. Mais non, voilà. Il parle tu vois un peu avec l'œil du... Voilà, à la Hollywood, quoi, you know. Mais donc, bon, on ne regrette pas aussi ce qu'on a fait. Bah oui, et on a essayé de le faire avec les moyens de bord à l'époque, avec le soutien aussi des vieux qui étaient là. C'était cool. Je me rappelle comme si c'était hier, en fait. Donc, le Greg d'aujourd'hui, au Greg d'il y a 8 ans. Oui. Il y a beaucoup de chemin parcouru. Oui, beaucoup Quelle de chemin. Quelle est ta plus grosse fierté? Ma plus grosse fierté, c'est d'avoir rendu fiers mes parents d'abord. Ok. Parce que c'est vrai que je n'ai plus le papa à côté, mais je sais que de là où il est fier de ce que je suis aujourd'hui. Vu ce que j'ai été, chose que je ne dirai pas ici, je garde ça pour moi-même. Mais... On va essayer de lui tirer les vers du nez. Bon, pas tout de suite, une autre fois. Voilà, donc... Et on te donne du répit. Voilà, je suis fier de ce que j'ai fait, de ce que j'ai accompli. Et aussi, j'ai l'amour de mes fans. Voilà. Et quand tu entreprends une carrière musicale et les gens sont fiers de ce que tu fais, tu sèmes la joie dans les cœurs, il n'y a pas plus grosse bénédiction, je pense. Donc, c'est vrai que l'artiste, il court derrière son gombo. Mais n'oublie pas qu'il y a quelque chose qui est là, qui va rester à jamais dans ta vie. Exactement. Tu ne passeras pas inaperçu.
les vieilles. Et ça, cette chanson-là, je pense que c'est immortel, définitivement. Bon, on verra. Puisque l'artiste lui-même, là, son défi, c'est de... De laisser quelque chose à la postérité. De faire quelque chose qui va dépasser cette chanson. Ouais. C'est ça. D'accord. Donc, c'est un gros défi quand même. C'est un gros défi. Parce et que je nous, pense en général, que... les fans, quand on est attaché à une chanson, oui. pour nous décrocher... C'est difficile. Ah bah... Oui. Cher ami. Et c'est pas que moi. On dira que Youssoundou ne... Ce sera difficile pour Youssoundou de faire du Birima. Ah, c'est clair. Une chanson plus que Birima. Econ. Plus que Lonely. Lonely, c'est... Pourtant, il y a deux... Corneille plus que... Classe. Ouais. Donc, mais on essaie toujours. D'accord. En tout cas, on est fiers. On est également fiers de notre très chère Pamika. Ah, je croyais qu'on m'avait oublié. On ne peut pas t'oublier. Tu rayonnes sur ce plateau. Même si on essaie, on ne peut pas t'oublier. Ah, mon péché mignon. Autant que tu as rayonné à chaque fois que tu as participé à une compétition. Autant tu as rayonné à chaque fois que tu étais sur scène. Autant tu as rayonné à chaque fois que tu es au micro. Ah. Pamika, tu es un don pour nous. Waouh! Franchement. Avec ça, est-ce que j'ai. J'ai plus rien à dire. On t'a déniché également un clip. Pour moi? Oui. On va dire qui vraiment entre en droite ligne de la définition de notre pays, l'intégrité. Ok. C'est très important. T'as envie qu'on monte le clip? Eh bien, avec plaisir. On va regarder un extrait. Surtout qu'on n'a pas le choix. Ouais, t'as pas le choix de toutes les façons, je pose la question juste. Oui. D'accord. J'ai envie d'entendre les confidences que vous dites. Je suis curieuse quand même. C'est confidentiel. Alors, c'est entre mon petit ce clip date de combien d'années, Pamika? Est-ce que tu te souviens? 2010. 2010, ça va faire... 10 ans. 10 ans, ouais. Waouh. De l'évolution. Ouais. Mais on a l'impression que... Quoi? Tu changes pas. 10 ans. Comment? Physiquement, ah, physiquement, tu changes pas. Alors, en 10 ans, quand même, c'est un joli parcours, ouais. Pamika. Aujourd'hui, ouais. Quand tu regardes dans le rétroviseur, c'est quoi ta plus grosse fierté à toi? Alors moi, ma plus grande fierté, c'est déjà réaliser le rêve d'être chanteuse, même si je n'ai pas encore atteint le niveau que je rêve. Déjà, okay. C'est ouais. Ben oui. D'accord. Voilà, donc déjà être reconnue comme une chanteuse du pays. Aussi, comme Greg le disait tout à l'heure, en tout cas, au départ, pour moi, dans ma famille, qui n'a aucune notion de la musique, n'était pas pour. Et aujourd'hui, il n'y a que deux jours, moi, mon grand frère me dit, j'ai envie que... Tu fasses
tu passes quelque temps avec moi, que tu viennes me chercher, qu'on on parte dans des endroits où moi, lui, on le connaît, pour qu'il puisse dire que voilà, je suis avec ma petite soeur. Parce qu'il y a des fois, lui, il dit, voilà, je suis sa petite soeur. Et ça, voilà, on ne croit pas. Oui, donc, c'est pour dire que voilà, ils sont, voilà, souvent, ils sont fiers. Oui. Donc, moi, je me dis déjà que ça, c'est une richesse qu'on ne peut pas gagner. Voilà. Ouais. Malgré tout le succès que tu as et tout l'argent que tu as. D'ailleurs, bon, on n'a pas encore atteint ça, mais on se dit que déjà rendre fier sa famille et ses proches, il n'y a rien de plus beau. Ouais. Voilà. Et c'est vrai que toi, quand même, en général, tu es dans souvent du conseil, de la conscientisation. Mm. Et on se dit, peut-être que ça ne passera pas. Parce que les gens n'ont pas forcément envie d'entendre le conseil, parce qu'ils le savent. Ouais. Mais quand tu le dis, ça passe. C'est quoi ton secret? Peut-être que ça dépend de la manière dont... Tu véhicules. Voilà. Quand tu le fais avec la mélodie qu'il faut, et la sensualité qu'il faut, et l'émotion qui va avec, je me dis que ça forcément, ça doit... Voilà. Ça passe. Voilà. Alors, on va passer maintenant à votre péché mignon. Ok. D'où est née cette idée, ce projet? D'où ça vient? Comment ça a commencé? Qui est allé vers qui? Oh. Généralement, c'est les hommes qui viennent avant, mais moi, j'ai fait le premier pas. D'accord. Elle m'a dragué d'abord. Parce que, il faut dire aussi que ça fait partie de mes rêves. Ok. Il faut reconnaître que Greg, c'est un super chanteur. Ouais. Ouais. Et moi, j'ai commencé... parce que chaque vacances, moi, j'encale des enfants. Mm-hmm. Et d'ailleurs, c'est en ce moment, on voit que je prends un peu de poids. Voilà, chaque vacances, quand je suis avec les enfants, je trouve mon bonheur et voilà. Et c'est comme ça, j'ai imposé la chanson de Greg, qui est passée tout à l'heure là. Oui. J'ai imposé ça pour un ballet. Moi qui ne sais pas danser, moi, j'ai monté le ballet avec les enfants. Et le jour qu'on devrait présenter ça, j'ai fait venir Greg, difficilement parce que c'était pas... Terme de timing dans l'emploi du temps. Ah ben oui. Donc, j'ai fait mon possible pour qu'il soit là. Et quand il est venu, c'était la première fois que lui et moi, on se voyait. Mais j'avoue que c'est un truc qui est resté parce que ce jour, on a réussi à le faire et lui pleurer et moi... Et tout le public, parce que c'était vraiment, il y avait de l'émotion. C'était émouvant. Et voilà, c'est... Il y a des images? On espère. Bon, peut-être des photos. Des photos, parce nous, que... Si on est bon, on veut pleurer. Mais je ne savais pas, sinon fort, on allait envoyer ouais, ça. C'est clair. Voilà, c'était vraiment un truc. Et moi, depuis ce temps, depuis que j'écoutais la chanson, parce que je connais pratiquement toutes les chansons de Greg, voilà, parce qu'il ne fait pas les chansons bizarres, là. Voilà, donc moi j'aime quand on travaille sur des chansons à mélodie et texte et tout le reste. Mm-hmm. Donc j'ai dit, ah, il faut que lui et moi on fasse un duo, un de ces quatre. Donc après, il y a une année peut-être, moi je l'ai appelé, j'ai dit, Greg, il faut qu'on fasse le truc. Il me dit, Pamika, c'est quand tu veux. Et il n'y a pas longtemps, je l'ai appelé, j'ai dit, je sens le truc et c'est le moment. D'accord. Et ça a été comme ça. Facilement. Ouais. Ouais. Et toi? Oui. Tu l'as reçu comment, en mode oui, on y va, let's go? C'est une fierté toujours quand un artiste demande une collaboration avec toi. Donc d'abord, il faut dire que deux personnes qui arrivent à collaborer, ils s'aiment d'abord. Mm. Voilà, parce que tant qu'on ne s'aime pas, on ne peut pas chanter ensemble. Ce n'est pas pour dire que je n'aime pas les autres artistes. Il y aura d'autres feats certainement, Inch'Allah. Oui. Mais déjà, c'est la preuve qu'il y a quelque chose entre elle et moi. Ouais. Quand je dis quelque chose, c'est naturel. On ne peut pas tout dire. Oui. En fait, je parle du... Il y a un feeling, comme on dit. Il y a un feeling, tu comprends. Oui. Il y a un feeling. Depuis le départ, c'était en 2012, 2013, ouais, avec les enfants. Avec les enfants, oui. Et le courant est vite passé. Mais tu as oublié de dire que tu m'as invité chez toi. On a mangé. C'est vrai. Oui. Elle ne veut pas tout dire, elle. Elle a préparé... Je te dis le nom de ce que tu as préparé. Ah, puisque c'est le plat que tu aimes. Elle m'a dit, tu veux manger? Il dit, benga moi. Et je fais benga avec pentade. Yes, c'était bien, là. Ouais. Donc, tu vois, depuis ce temps, c'est vrai que le showbiz fait qu'on n'a pas le temps de se voir et tout, mais il y a cette complicité, ce feeling dont tu parlais entre elle et moi. Et voilà. Qui, justement, a donné naissance à ceci.
On va voir un extrait. Alors Greg, mais oui mon petit mignon, affaire de cristaux de menthe, on fait comment? Ah mais cristallise-moi un peu Mika. Je vais te mettre en ça. Oui oui oui, maman my mec. Oui. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi ce que tu vois. Au fond de moi, je veux savoir. Hey. Serre-moi aussi dans tes bras et dis-moi ce que tu ressens. Au fond de moi, je veux savoir. Hey. Y'a pas moyen d'envisager une vie sans toi, mi amor. Y'a pas moyen d'envisager une vie sans toi, mi fait. Mais vous êtes beaux ensemble. Oh, merci. Franchement, oui, la complicité, ça rime avec la compatibilité. En tout cas, bah, j'ai pas envie de citer ce que, enfin, mais si vous permettez, on attend l'album ou pas? Suspense. Suspense. On va patienter. Et ça, on l'a vraiment en exclusivité aujourd'hui. Oui. Il sort quand? Il est sorti. Quand? Bon, sur les réseaux sociaux. Bien sûr, c'est disponible. Oui. D'accord. Oui. Avant-hier. On peut le télécharger? Bien sûr. Ouais. Sur quelle plateforme pour ceux qui ne s'en souviennent pas? Non, on peut le regarder sur YouTube. Oui. Mais il y en a qui aimeraient bien l'avoir en mode pour le balancer à leur chérie. Parce que je sens que ce truc-là va cartonner. Ah, si c'est ça, là. La manière dont ils peuvent avoir ça, là, il faut laisser, ils ont fini avec ça. Est-ce qu'il y a un programme de promo que vous avez déjà prévu pour ça? Oui. Déjà, on a commencé aujourd'hui en exclusivité. À BF1. Voilà, BF1 avec la charmante Stéphanie. Oh là là. Et qui a bien apprécié. On espère que tout le monde appréciera le single. Oui. Voilà, comme toi. Bah, franchement, voilà. C'est super. Ah, merci. Donc, le programme continue. D'accord. Le programme continue pour la promo. Et voilà. On verra sur scène avec bientôt ou il n'y a pas encore de date pour ça? Pour l'instant, non. À moins qu'on nous invite. D'accord. Certainement, avec ça viendra. Avec tous ces programmes de mariage. Il y a aussi le festival que Pamika organise chaque année. Mm-hmm. Ça sera peut-être la première fois qu'on verra. Et, voilà. C'est quand? Pamika et Greg. Ça commence le 15 au 18. De ce mois? De ce mois. Jeudi, c'est derrière Chifra, okay. Au jardin d'Espacito. De d'accord. Pamika. Okay. Voilà, donc ça sera peut-être l'exclusivité. Mais s'il y a quelqu'un qui veut nous voir avant, voilà. Vous mettez le prix. On est dispo. En tout cas, moi, je suis super contente de vous avoir reçu aujourd'hui. C'est un plaisir partagé. On aurait échangé toute l'émission, mais bon, il faut que je vous libère. Il faut peut-être donner le numéro du manager aussi. Absolument. Pour ceux qui veulent vous contacter, tu l'as dit, mais comment on fait pour vous avoir? Il faut juste appeler le numéro 75 77 78 79, mm-hmm. Le numéro de Kenzo. D'accord. Kenzo Cash Ligdi. Cash Ligdi. Il cache l'argent où? J'espère que tu as trouvé sa cache. Non, lui, c'est... Alors avant de vous dire au revoir, le dire. Je vais très rapidement lire quelques messages qu'on a reçus quand même sur Facebook. LPJA, Yoyo, c'est une fierté pour nous d'avoir des artistes comme Greg, Pamika et comme bien d'autres. Greg, le son, my only, je kiffe le son que j'écoute presque chaque matin. Courage à vous. Isco de Madrid, Greg, tu es très fort, mais il te manque de l'inspiration. C'est son avis. Mm-hmm. Rosie Kualaga, bonjour à vous, bonne émission à vous. Salif, super, Djamilatou Edraogo, ma madre d'amour, Pamika la star. Avec plein de A, trop de love pour toi, bon vent à vous. Kouraogo fidèle, moi je vous souhaite bonne émission. Je salue le passage de l'artiste, enfin des artistes, que Dieu bénisse et lui donne force et continuer. Assami Rabo, mon frère, même le temps ne peut chasser les amis. Ravi de te revoir à ce niveau.
Seul le Bara paye. Courage surtout à toi et te relâche jamais. Vise encore plus haut. Je ne parle pas de musique. Big up. C'est qui? C'est Assami Rabo. Mm-hmm. Je comprends peut-être. Shadrach Lompo, salut, moi c'est Shadrach, boss. Voici deux talents de la musique que j'apprécie beaucoup. Courage à vous. Alors, lui, je n'ai jamais réussi à lire son nom. Greg et Pamika là, que dire de ces étoiles de la musique burkinabé? Tous deux portent des voix synonymes de liberté. Du buzz, que du buzz, mais franchement, j'ai aimé la chanson Péché Mignon. J'ai une question pour Greg. Pourquoi tu as duré de faire ta réapparition? Ta voix manque au milieu musical du Burkina. Greg, très rapidement, pourquoi tu as duré avant de revenir? C'est sa question à Frédéric Fred. Pourquoi j'ai duré? C'est son opinion. Il veut parler de... Et il nous écrit depuis le Togo. Depuis le Togo, ok. Dis-lui que il faut souvent savoir reculer pour mieux sauter. Voilà. D'accord. Obda, Wendrata, Kindo, chapeau à vous, mes préférés, Greg et Pamika, bonne émission. Abdulaziz, Guira, qui voulait savoir quelle filière il a fait niveau études et quel niveau tu as actuellement. Je ne sais pas pourquoi, mais il a envie d'avoir cette réponse. Ah ouais, donc on va répondre à tout ça. Si tu veux, sinon on met un joker et la prochaine fois. Prochaine fois, Abdulaziz. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux. Merci. C'était sympa. Merci. On reparlera. Bien sûr. Et on verra si le péché mignon, il a grossi ou pas. On espère qu'il grossira. Ouais, il va prendre des calories. Ah ouais, il doit grossir. Normalement. Super. En tout cas, on vous souhaite bon vent. Le beau barba vont pousser. Moi, je pense que ça va cartonner. Ah, ok. Je pense que ça va cartonner. Il en soit. Je vous souhaite bon vent. Merci beaucoup. Beaucoup de courage. Merci. Et comme on l'a dit, on vous souhaite d'arriver encore plus haut. Merci beaucoup. Merci à Bertrand. Et on se quitte avec cette petite pause publicitaire. Merci beaucoup, okay. Les amis. Merci. Bisous, bisous. Tu es mon goût. Revenus. Comment préparer ma retraite? Comment préparer l'avenir de mes enfants? Autant de questions qui vous taraudent l'esprit. Eh bien, sachez que la bourse peut être une solution pour vous. Mais je ne m'y connais pas en placement boursier, vous diriez-vous. Ceci n'est pas un problème infranchissable. Il existe des sociétés d'intermédiation boursière agréées par l'État. Elles s'occupent de faire les placements pour vous ou de vous aider à les faire. Pour tout comprendre, inscrivez-vous et prenez part à la conférence sur le thème « Comment multiplier mes sources de revenus à travers la bourse ?» Conférencier Yacouba Saré, directeur général de Chorus Bourse. Cette conférence est organisée par le Club des financiers, banquiers et assureurs de la capitale, Ouaga Oasis, en collaboration avec Chorus Bourse. Elle se tiendra le samedi 17 octobre de 17h à 20h à Prestige Hôtel Ouaga 2000, non loin du siège de l'UMOA. Frais de participation, 50 000 francs CFA. Hâtez-vous car le nombre de places est limité. Les recettes serviront au financement, entre autres, du parrainage scolaire de 50 enfants en milieu rural, de la rénovation du centre néonatal de l'hôpital Yalgado, l'aménagement d'un espace pour la maraîchère au profit de 50 femmes démunies. Contact 76 60 0003 78 81 48 24. Unis dans la diversité, servons dans la paix. Qui sera le meilleur jeune entrepreneur du Burkina Faso? Chers téléspectateurs, voici venue la finale de la première édition de Pépites d'entreprise. 100 candidats au départ, ils ne sont plus que 4 en finale. Votez pour Sanfo Menuiserie Bois et Métallique qui allie les matériaux cités à la perfection en envoyant PE1 au 3167. Choisissez d'écologique avec la recyclerie générale en envoyant PE2 au 3167. Votez pour Mister Écolo avec ses emballages biodégradables en envoyant PE3 au 3167. Ou choisissez Faso Mousseau avec ses épices nutritives et thérapeutiques en envoyant PE4 au 3167. Chers téléspectateurs, rendez-vous bientôt pour savoir qui sera la pépite d'or qui remportera le premier prix d'une valeur de 15 millions de francs CFA. Pépite d'entreprise, sous le parrainage de Monsieur Idriss Anassa, PDG du groupe Coris. Comment accroître mes revenus? Comment préparer ma retraite? Comment préparer l'avenir de mes enfants? Autant de questions qui vous taraudent l'esprit. Eh bien, sachez que la bourse peut être une solution pour vous. Mais je ne m'y connais pas en placement boursier, vous diriez-vous. Ceci n'est pas un problème infranchissable. Il existe des sociétés d'intermédiation boursière agréées par l'État. Elles s'occupent de faire les placements pour vous ou de vous aider à les faire. Pour tout comprendre, inscrivez-vous et prenez part à la conférence sur le thème « Comment multiplier mes sources de revenus à travers la bourse ?» Conférencier Yacouba Saré, directeur général de
de Coris Bourse. Cette conférence est organisée par le Club des financiers, banquiers et assureurs de la capitale, Ouaga Oasis, en collaboration avec Coris Bourse. Elle se tiendra le samedi 17 octobre de 17h à 20h à Prestige Hôtel Ouaga 2000, non loin du siège de l'UMOA. Frais de participation, 50 000 francs CFA. Hâtez-vous, car le nombre de places est limité. Les recettes serviront au financement, entre autres, du parrainage scolaire de 50 enfants en milieu rural, de la rénovation du centre néonatal de l'hôpital Yalgado, l'aménagement d'un espace pour la maraîchiculture au profit de 50 femmes démunies. Contact 76 60 0003 78 81 48 24. Unis dans la diversité, servant dans la paix. Alors, on passe à la deuxième partie de notre émission. Le 11 octobre de chaque année depuis 2012 est célébrée la Journée internationale de la jeune fille. Et naturellement, au Burkina Faso, nous avons une forte population de jeunes filles. Il ne saurait être question de passer sous silence cette journée-là. En tout cas, du point de vue du plan international Burkina, qui justement, depuis la première édition en 2012, se donne à cœur d'organiser ici au Burkina la Journée internationale de la jeune fille. Cette année, on s'est invité dans l'univers du digital avec le thème. On en parle aujourd'hui, mais avant, permettez-moi d'installer mes invités. En temps normal, sur ce plateau, c'est les dames d'abord. Mais comme nous sommes dans une logique où il y a une minorité, on va pratiquer le genre et laisser la part belle à la minorité. Donc on va installer dans un premier temps, je vais vous présenter le seul monsieur sur ce plateau aujourd'hui. Il s'agit de monsieur Syria Kelemou. Il est gestionnaire du programme, c'est Passe Plus, c'est ça? À Plan International Burkina Faso. Bonjour. Bonjour. Micro. Bonjour madame. Comment vous allez? Je vais très bien, il n'y a pas de souci. Le projet, c'est en fait le projet d'accès à l'école primaire okay. par la stratégie de scolarisation accélérée. D'accord. Donc, les sigles en anglais, c'est PASS+. PASS+. Voilà, suggestionné de programme. D'accord. Merci beaucoup. Merci d'être sur notre plateau. Merci, madame. Alors, maintenant, on va parler entre nos filles. Juste à côté de moi, nous avons Corinne Idani. Elle est modératrice nationale de Girl Out Loud à Plan International Burkina. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. C'est merci. Quoi, Girl Out Loud? Girls Out Loud, ça veut dire simplement en anglais, les filles s'expriment. D'accord. Voilà, c'est une initiative qui donne l'opportunité aux jeunes filles, adolescentes et jeunes filles, de s'exprimer sur des questions qui sont en lien avec leur situation en tant que jeunes filles. D'accord. Au Burkina. Au Burkina spécifiquement. Spécifiquement. D'accord, ça voilà, marche. C'est un projet qui est dans le monde, il y a dans, et ça existe dans les pays où il y a plan international, mais comme c'est ici au Burkina, c'est des jeunes filles de Burkina. D'accord, mais de tout le Burkina. De tout le Burkina. D'accord. Voilà. Donc, ce n'est pas les jeunes filles de Ouagadougou et non. de Bobo-Dioulasso. Ce sont non. les jeunes filles du Burkina. Voilà. Parce qu'il faut le dire, souvent, on a l'impression que souvent, ça s'arrête à Ouaga ou à Bobo. C'est les c'est jeunes ça. Filles de tout le Burkina. Oui, effectivement. Et justement, il ne saurait être question de parler des jeunes filles sans les jeunes filles. Alors, elles sont représentées sur ce plateau aujourd'hui par Sakina Lompo. Elle est étudiante, également membre de l'association des jeunes filles leaders engagées pour un avenir meilleur et épanoui au Burkina, JF LAM. Comment ça va? Oui, ça va très bien. Alors, on a eu la chance d'avoir sur ce plateau déjà, elle est toujours la présidente de l'association. Exactement. Jocelyne. Donc, j'espère que tout le monde se porte bien dans votre tout association. Tout le monde va bien. Toutes les jeunes filles? Oui, toutes d'accord. les filles se portent bien. J'ai eu la chance de vous côtoyer, vous êtes super dynamique. Beaucoup de courage à vous. Merci. Et pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi JF LAM? JF LAM, c'est une association qui regroupe les jeunes filles leaders engagées pour un avenir meilleur et épanoui. Mm-hmm. Quand on parle de jeunes filles leaders, on voit le leadership. Ouais. Et nous luttons, nous combattons contre tout ce qui est contre la jeune fille, contre son épanouissement, mm-hmm. les violences faites aux filles, les inégalités. Aussi les harcèlements et également les mariages et précoces. Ok. C'est tout. Et l'excision, sans oublier. Bah oui, naturellement. Bon, il ne saurait être question de parler de violences faites à la jeune fille sans mentionner l'excision. Donc, dans tout ce que l'on dit, naturellement, il y a plan qui chapeaute ces différents projets. Oui. C'est quoi, plan international, monsieur Elim? Ok, merci. En fait, plan international est une organisation non gouvernementale. Qui opère dans plus de 70 pays au monde. Elle est installée au Burkina depuis 1976 avec l'ouverture du bureau de Kaya. Et aujourd'hui, Plan International couvre les 12 régions sur les 13 au niveau du Burkina. Mmh. Et avec l'ambition de promouvoir toujours les droits des enfants,
mais particulièrement les filles, l'égalité pour les filles. D'accord. Et donc, cette année, comme vous l'avez certainement dit, cette année, nous célébrons la 1e édition de la Journée internationale de la jeune fille. Mm-hmm. La première édition, c'était au Burkina. Nous l'avons célébrée au Namentenga, à Boulsa précisément, d'accord, avec la collaboration d'autres organisations telles que UNICEF. Et nous sommes contents encore cette année de monter vraiment en puissance avec la célébration cette année qui est étalée sur plusieurs jours, mm-hmm, avec beaucoup d'activités qui sont au programme. Je pense que ma collègue aura le temps de revenir sur ça. D'accord, mais justement, voilà, d'où est venue cette nécessité de créer une journée internationale de la jeune fille? On va dire, on a la journée de la femme, on a la journée des mères, on a une journée de l'enfant. Oui. On va dire, pourquoi encore créer une journée pour la jeune fille? D'où est venue cette nécessité? Non, généralement, quand on classe le groupe des femmes, on occulte très ou dissimule rapidement, en fait, les spécificités pour les filles. D'accord. Et Plan est une organisation fait partie des organisations qui ont milité depuis le début pour que, au niveau des Nations Unies, on puisse instituer la Journée internationale de la jeune fille. Et donc, aujourd'hui, nous sommes à une campagne qui est en fait la prolongation de la campagne Parce que je suis une fille, mm-hmm, avec une connotation beaucoup plus revendicatrice aux filles, l'égalité. Mm-hmm. Et donc, nous savons qu'il y a des problématiques dans le monde, et particulièrement au Burkina Faso, qui affectent les filles et qu'on a besoin vraiment de prendre en charge de manière spécifique également. Mm-hmm. Voilà. C'est vrai que merci. Quand on parle de la jeune fille, quand même, il y a un certain nombre de choses dont elle est victime. Oui, beaucoup. Je pense que la thématique cette année, on aura le temps de revenir là-dessus. Voilà, exactement. Et justement, la thématique cette année, on s'invite dans l'univers du digital, Corinne. Donc le thème cette année, si je ne me trompe pas, c'est liberté et sécurité en ligne pour les filles. Pourquoi un tel thème? Le thème, il a été identifié et déjà que Plan protège les enfants et spécifiquement les jeunes filles. Mm-hmm. Et Plan a observé cette dynamique des jeunes et sur les réseaux sociaux. Mm-hmm. Puisque Plan protège les jeunes, les enfants, les jeunes et plus spécifiquement les jeunes filles, mm-hmm, Plan a trouvé nécessaire de les protéger dans tous les aspects. Y compris Internet. D'accord. D'où la nécessité de ce thème de cette année. D'accord. Liberté, sécurité pour les jeunes filles. Voilà. Et cette année, comment ça s'est passé les célébrations? Parce que quand même, le 11, c'était dimanche. On est mardi aujourd'hui. Oui. Donc on se dit que ça continue encore aujourd'hui, mais comment ça s'est passé cette année? Oui, effectivement, vu le calendrier de cette année, le 11 est tombé un dimanche. Ouais. Dimanche n'est pas un jour ouvrable. Non. Du coup, nos activités se sont étalées sur plus d'une semaine. D'accord. Voilà, on a commencé avec des webinaires, des conférences. En France, c'est facile. Oui, d'où la nécessité de donner l'accès à l'Internet aux jeunes filles. Exactement, exactement. Voilà. Donc un webinaire, c'est un séminaire en ligne. En ligne, d'accord. Oui, merci. Oui. Des conférences, oui. des sketchs, oui. des activités qu'on appelle takeover, ça c'est okay. en anglais, mais en français, pour faciliter la compréhension, c'est les filles prennent le pouvoir. D'accord. Et là, cette activité consiste à identifier une personnalité, bon, quelques personnalités qui vont accorder une journée à une jeune fille de jouer leur rôle. Donc la jeune fille va se mettre dans la peau de cette personnalité. Ah. Voilà. J'ai envie de redevenir jeune pour essayer ça. Donc, oui, c'est très important parce, oui. et c'est intéressant parce oui. que après, ça permet à la jeune fille vraiment de prendre conscience de toutes les opportunités qu'elle a. Et surtout d'arriver à se projeter. Justement. Justement, nous, BFA en tout cas, a été invité à l'une de ces nombreuses dates pendant lesquelles on a célébré donc, la Journée internationale de la jeune fille, c'était le 9. Oui. Imagine si nous étions là. Voilà. On regarde ce reportage et on revient. OK. Sur 14 000 jeunes filles interrogées dans 22 pays du monde, 58% ont fait l'objet de harcèlement sur les réseaux sociaux, selon Plan international Burkina. À l'occasion de la commémoration de la Journée internationale de la jeune fille, Bernadette Bama rappelle que le harcèlement est une réalité au Burkina Faso. En plus du problème de l'accès des filles à l'Internet et aux réseaux sociaux, un autre phénomène nous frappe, nous les filles qui utilisons les réseaux sociaux.
Les filles qui arrivent à y avoir accès rencontrent beaucoup de problèmes. Je veux parler des abus, de la violence et du harcèlement en ligne. Peut-être que vous vous dites que ça n'existe pas ici au Burkina Faso. Ou peut-être que vous vous dites que ce n'est pas si grave. Et pourtant, ces violences-là, même si elles se passent dans le monde virtuel, est une violence bien réelle. Je veux parler des commentaires blessants, des photos pornographiques qu'on reçoit en inbox ou des personnes qui utilisent des faux profils avec de mauvaises intentions. C'est vrai que les filles n'en parlent pas, mais ça arrive à beaucoup d'entre nous. Internet présente aussi bien des avantages que des inconvénients, selon le ministre en charge du développement de l'économie numérique. Pour minimiser les dégâts, Hadja Fatima Tawatara préconise le réseautage. C'est comme toute révolution, que ce soit numérique, industrielle, il y a du bon dedans, mais bien sûr, il faut prendre des précautions. Tout ce que je peux dire rapidement aux jeunes filles, c'est d'évoluer en réseautage. Seul, c'est difficile. Il est important de profiter de l'expérience des autres. Ça évite vraiment les dérives. En commémorant la 9e journée internationale de la jeune fille, Plan International Burkina entend amorcer une réflexion sur la liberté et la sécurité de la jeune fille en ligne. En cette édition de 2020, notre organisation s'est saisie d'un thème important et jusqu'à présent très peu abordé. La liberté et la sécurité en ligne pour les filles. La question de la liberté et de la sécurité en ligne est une question transversale qui implique non seulement les spécialistes du numérique, mais aussi les acteurs de l'éducation, de la sécurité, de la justice, de la communication, ainsi que de la société civile, nous les parents, les jeunes filles elles-mêmes. Donc c'est vraiment un sujet pour tout le monde. L'ensemble de la société est interpellée sur la nécessité de permettre aux filles d'utiliser Internet en toute sécurité, en toute responsabilité et en toute liberté. Alors, donc on a vu, c'est très important, c'est clair. Internet, c'est un autre univers. Mais quand on parle de... Quand on revient un peu à l'origine de la Journée internationale de la jeune fille et qu'on se dit qu'on est quand même dans des contrées où il y a pas mal de discriminations qui sont toujours ancrées et qui ont la peau dure. Et on parle aujourd'hui de sécurité en ligne. Est-ce que les jeunes filles ont même accès à Internet pour qu'on parle de leur sécurité en ligne? Oui, d'abord je voudrais rappeler que la campagne aux filles l'égalité, c'est d'abord un pouvoir, le pouvoir, la voix et le leadership des filles. D'accord. Et nous savons que cette campagne va beaucoup aider plan international et particulièrement plan international Burkina Faso à soutenir la mise en œuvre de ses programmes, à soutenir la mise en œuvre de son ambition. Et nous voyons à travers cela que le digital, effectivement, c'est un outil important. Un espace d'expression pour les filles. Et je suis d'accord, effectivement, que vous avez remarqué à travers l'élément que l'étude a révélé qu'il y a 58% des filles qui, en fait, utilisent les téléphones, qui sont victimes d'harcèlement. Et nous savons également que c'est une révolution technologique. De plus en plus, les filles vont l'utiliser. Et nous savons que c'est très important. Autant c'est un outil de communication, un espace d'expression, qui peut révéler le potentiel des filles, mais on sait également qu'il y a beaucoup de dangers qui sont liés à cela. Voilà. Et donc, pour nous, c'est une priorité d'en parler, parce qu'on sait que dans les années à venir encore, beaucoup de filles vont l'utiliser, et celles qui l'utilisent aujourd'hui, on a besoin vraiment de les sécuriser. Parce que dans notre contexte culturel, il y a beaucoup de choses, peut-être que les 58% qui ont été... révélé par l'étude, c'est peut-être la partie infime. Il y a d'autres dans notre contexte culturel, les jeunes ne parlent pas. C'est ça. Les filles ne parlent pas, donc c'est pourquoi c'est vraiment important d'en parler. D'accord. Voilà. J'ai envie de savoir, Sakina, c'est sûr que, enfin, je présume, hein, c'est sûr que tu es sur Internet. Oui. Tu es sur combien de réseaux sociaux? Je suis sur 3 réseaux sociaux, à savoir Twitter, Facebook, WhatsApp. D'accord. Pas d'Instagram? Bon, je ne l'utilise pas trop. Mais tu es sur Instagram? Oui. TikTok? Oui et non. Tu consommes, mais tu ne produis pas? Je consomme, mais je ne produis pas. Donc, tu es sur TikTok? Ah oui. Snapchat? Je consomme, mais je ne produis pas. OK.
Donc, ça veut dire que les réseaux sociaux, quand même, occupent une place dans ta vie, dans ton existence. C'est ça. Les trois réseaux sur lesquels tu es active, quel usage tu en fais? Moi, particulièrement, sur les réseaux sociaux, en particulier sur Facebook, ce que je fais, puisque je milite pour l'épanouissement de la jeune fille. Mmh. Du coup, en allant sur Facebook, je cherche à identifier toutes ces structures-là qui font la même chose que moi. D'accord. Et j'essaie de voir qu'est-ce qu'ils font exactement. Mmh. Comment est-ce que je peux m'associer avec eux pour atteindre mon objectif dans la vie. D'accord. Et en même temps, je cherche aussi de l'emploi parce qu'il y a tellement de pages, de groupes qui publient des opportunités. Mm-hmm. Et aussi, je profite en même temps de rencontrer d'autres personnes avec qui je pourrais collaborer à l'avenir. D'accord. OK. Mais ça, c'est un usage, on va dire, professionnel et sérieux. Exactement. Il y a quand même un côté ludique sur les réseaux sociaux. Côté? Ludique. Bon, peut-être se distraire. Oui. Oui, suivre des vidéos comiques. D'accord, ça puis, arrive. Bon, tout simplement. Mais tu postes quoi comme contenu, par exemple? Généralement, ce que je poste, ce sont des messages. De sensibilisation. De sensibilisation, par exemple. OK. Je fais aussi. Je publie également des petits trucs qui me rendent joyeuse de temps en temps. Par exemple, peut-être à l'occasion de mon anniversaire, je peux poster une photo. D'accord. Pour exprimer toute ma joie. Je peux aussi assister à un événement. Par exemple, je suis là actuellement. À la sortie, c'est sûr que je vais mettre ça sur Facebook, que les gens puissent voir que j'étais sur BF1 en train de faire quelque chose. D'accord. Et je précise également que je suis membre de la plateforme. D'accord. Justement, la plateforme, on va en parler. Mais il y a quand même, on peut dire que ceux qui te suivent sur les réseaux sociaux peuvent avoir un petit aperçu de ta vie. Pas total, mais parce qu'ils connaissent tes centres d'intérêt. C'est ça. Ils savent souvent où tu es, en fonction de l'importance que tu accordes à l'événement, parce que tu vas le dire. Ah oui. Donc, ça peut arriver. Est-ce qu'il t'est arrivé un jour de regretter d'avoir fait un post? Ah oui. Ça arrive. ça arrive. Tu finis juste de faire le post et puis du coup, tu t'assois, tu dis, ben pourquoi? Un exemple, par exemple, quand j'étais en seconde, j'étais beaucoup plus active que maintenant. Et tout dernièrement, quand je repars sur mon ancien compte Facebook, j'ai dit, ben, c'est moi qui ai fait ça. Quel est ce courage que j'ai eu pour mettre ces trucs-là sur Facebook? Et du coup, je me mets à imaginer des trucs. J'ai dit, bon, si j'avais su en ce temps que ce n'était pas bien de le faire, je ne l'allais pas le faire. C'est ça. Donc, d'accord. Ça fait que je n'utilise même plus ce compte-là. Ah. Corinne, toi qui es modératrice de la plateforme, déjà, c'est quoi la plateforme? Toi qui es modératrice de la plateforme. Merci. La plateforme est juste la suite ou bien l'application ou encore la réalisation de cette initiative Girls Out Loud. Donc, comme les filles s'expriment, il faut trouver un endroit où avoir les filles pour qu'elles s'expriment. Mm-hmm. Et où les trouver? Le plan international a vu que pour les trouver, c'est sur les réseaux sociaux. Mm-hmm. Tout le monde sait que de nos jours, beaucoup de jeunes, pour trouver des jeunes, tu passes sur les réseaux sociaux, tu vas retrouver les jeunes, voilà. Donc, il fallait créer ce groupe et réunir ou recruter des membres au sein de ce groupe et maintenant échanger. Maintenant, et ce groupe, les membres de ce groupe-là sont des adolescentes et les jeunes filles qui ont entre 13 à 24 ans. D'accord. Voilà, on discute sur beaucoup de thématiques et aussi en dehors de ces activités ou des discussions qu'on a sur la plateforme, on a aussi quelques activités en présentiel parce que souvent, c'est bien d'être derrière un profil, mais c'est toujours mieux ou important de se voir en vrai. Et il y a des activités qui nécessitent vraiment de se voir en vrai. D'accord. Sinon, c'est comme ça. On est allé les trouver là où ils sont, sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. Voilà. Alors, on a une Sakina qui est quand même, moi j'ai envie de dire, très, très carrée dans son utilisation des réseaux sociaux. Mm-hmm. Mais sur cette plateforme, il y a plusieurs filles qui sont là, plusieurs jeunes filles. Oui. Quel est l'usage que les filles, en général, font des réseaux sociaux, de ton œil de modératrice? D'accord, de mon œil de modératrice. D'abord, sur cette plateforme que Plan International Burkina Modère, et il y a déjà des thématiques qui sont identifiées, les grossesses précoces, violences basées sur le genre, mariage d'enfants, et Covid-19. Il y a beaucoup de thématiques qu'on aborde là-bas. Maintenant, je suis amie avec plusieurs jeunes filles qui sont membres de la plateforme. Donc,
elles font des publications aussi, elles m'identifient. Mm-hmm. Et je vois en général, c'est un peu des publications d'anniversaire. Elles ont des activités, elles localisent le lieu, elles prennent une photo, elles postent rapidement. Et aussi, c'est des anniversaires de leurs amis. Il y a quelques-unes aussi, pour ne pas dire... Bon, en fait, c'est beaucoup, beaucoup même maintenant, elles font des publications de sensibilisation. Ah. Il y a même une qui a fait une publication pour demander à ses pères, jeunes filles, de faire attention à tous les garçons qui ont tendance à dire « je t'aime, je t'aime ». Donc, vous voyez qu'elles sensibilisent. Elles apprennent elles apprennent, elles partagent des expériences. Il y en a beaucoup aussi qui partagent des expériences pour aider aussi d'autres jeunes filles à faire attention. Surtout qu'il y a des adolescentes qui... Sakina vient de dire qu'elle a fait des publications quand elle était en seconde, mais maintenant qu'elle est étudiante, elle a vu qu'elle regrette même ce qu'elle a fait avant. Donc, ces expériences partagées par ces jeunes filles-là permettent vraiment à celles qui sont encore plus jeunes de prendre conscience et de comprendre certaines réalités afin d'éviter des erreurs. C'est vrai que c'est souvent bon d'entendre une personne qui s'est trompée de dire « Ah, moi j'ai fait ça, fais gaffe. » Vous, qui êtes parent, je pense que vous avez une fille. Oui. D'accord. Donc, sur les réseaux sociaux, on l'a entendu dire, hein, il y en a qui localisent là où elles sont, qui disent ce qu'elles font. Souvent, en fait, il y a des filles, quand tu les suis sur les réseaux sociaux, tu peux les suivre à la trace. Tu vis leur vie avec elles, pratiquement en temps réel. Vous, en tant que parents, est-ce que vous pensez que vous êtes suffisamment armés, outillés pour guider votre jeune fille, future adolescente, dans cet univers dont elle ne va pas échapper? Exactement. Parce que c'est sûr qu'elle y sera. Oui, c'est vrai. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Et j'allais dire que pour tout ceci, je pense que la responsabilité est collective, mais beaucoup plus particulière, singulière que pour les parents. Parmi les parents, il y a ceux qui sont instruits, il y a ceux qui ne sont pas instruits, il y a ceux qui connaissent l'outil, il y a ceux qui ne connaissent pas l'outil. Il y a ceux qui ont une mauvaise perception de l'outil, il y a ceux qui ont une bonne perception de l'outil, ainsi de suite. Donc, il y a vraiment un travail de sensibilisation, un travail de formation à faire pour que, par exemple, l'ensemble des parents prennent conscience, j'allais dire, du côté positif, mais aussi du côté, de l'usage positif ou de l'usage négatif. Je n'ai pas dit côté positif. L'usage positif ou l'usage négatif. Et moi, en tant que parent, je sais que c'est normal, en tant que parent, il y a une inquiétude pour un nouvel outil comme ça. Il y a une inquiétude de laisser comme ça les enfants sans maturité, l'exploiter. Moi, j'ai fait très attention en tant que parent. Je suis arrivé à la conclusion qu'il faut un certain âge et que l'enfant soit réellement préparé à cela et qu'il bénéficie aussi de l'accompagnement de ses parents, particulièrement les filles. C'est ça qu'il faut vraiment souhaiter pour l'ensemble des parents. On va faire une petite interrogation surprise. Oui. Les réseaux sociaux, est-ce que vous connaissez? Oui. Vous connaissez combien de réseaux sociaux? J'en connais 3 ou 4. Lesquels? Il y a Facebook. D'accord. Il y a WhatsApp. OK. Il y a Twitter. OK. Instagram. Vous êtes sur Instagram? Non. Vous êtes sur Instagram? Non. Vous comprenez Instagram? Est-ce que vous savez comment on marche, Instagram? Non. D'accord. Je l'ai utilisé une première fois, c'était pour me faire enregistrer. Bon, je pense que la connexion n'était pas bonne et j'ai abandonné. OK. Ouais. Snapchat? Non. Pas de Snap? Non. Vous n'êtes pas dessus? Non. TikTok? Non. TikTok, en ce moment, c'est l'appli la plus populaire après WhatsApp. Oui, souvent, je reçois des vidéos, je regarde. On estime à la moitié des utilisateurs entre 13 et 16 ans. Ah oui. Si vous êtes largué en tant que parent, oui. Ça va être dur. Donc, en fait, ça démontre à quelle vitesse s'avancent ces choses-là. Tout à fait. Comment on peut vite perdre le contrôle quand on n'est pas dans cet univers. Exactement. Alors que pour les jeunes, c'est leur monde, c'est leur vie. Ils y sont, c'est normal. On ne se rend pas forcément compte de jusqu'à quel point on s'expose. Exactement. Vous l'avez dit, justement, ce ne sont que des outils. Oui. Quelqu'un l'a dit, on te donne un couteau, tu choisis de faire de la cuisine ou de faire du mal avec. Toi qui décides. C'est ça. Et justement, on a demandé aux hommes, cette fois-ci, aux garçons, quel usage les filles, les femmes peuvent faire
des réseaux sociaux. Okay. On écoute leur réponse. Merci. Tu peux utiliser des fins malsaines comme des fins bien. J'ai dit utiliser Internet dans le travail, dans le domaine, à faire des recherches. Mais aussi utiliser Internet pour faire des trucs médiocres qui ne sont pas bons. Selon moi, en tout cas, pour les filles, c'est un danger. Mais pour les femmes, comme elles sont déjà majeures, on peut comprendre. Pour les filles, par exemple, une petite fille de 16 ans comme ça, on sait qu'elle est toujours mineure. Il y a des gens qui sont sur Facebook, sur les réseaux sociaux qui publient des trucs pervers. Donc si les jeunes filles voient ça, ça peut les pousser à rentrer dans des situations critiques. Pour moi, ce n'est pas un danger. C'est plutôt une opportunité. Alors, quand on parle d'un réseau social, du genre des réseaux sociaux, ce n'est pas seulement sur le côté mauvais. Voilà. La femme peut utiliser un réseau social son savoir-faire. On parle de gens, la femme maçon, la femme mécanicienne et autres. Voilà. À travers les réseaux sociaux, on arrive à découvrir ce genre de trucs. C'est déjà une opportunité, quoi. Pour moi, c'est une opportunité parce que moi, les réseaux sociaux sont, je dirais, facteurs de développement. Ça permet aux femmes et aux filles d'apprendre. Voilà, de faire des recherches et même de s'informer et de se civiliser. Quand je dis s'informer, c'est à partir des réseaux que plusieurs femmes entreprennent et découvrent plusieurs activités à travers les réseaux sociaux. Donc je pense que c'est une opportunité, mais en même temps aussi, c'est un danger puisque les filles, les femmes peuvent utiliser ces réseaux sociaux à d'autres fins qui ne sont pas, je dirais, très catholique, quoi. D'autres personnes même peuvent utiliser les réseaux sociaux pour porter atteinte à leur image, à leur identité de femme ou de fille. Donc je pense que c'est une opportunité, mais en même temps un danger pour les filles et les femmes. C'est une opportunité, en même temps un danger. Oui. Le mot harcèlement est revenu, oui, plusieurs fois. C'est vrai, ça fait partie. Mais il y a quelle autre forme de danger sur les réseaux sociaux pour les filles, quoi? Les dangers sont nombreux, hein. On ne saurait tous les citer. Il y a déjà l'ignorance même. Ne pas savoir utiliser les réseaux sociaux, déjà c'est un danger. Oui. Voilà. Les dangers aussi sont les informations qui ne sont pas les bonnes, les mauvaises informations, puisque sur les réseaux sociaux, on a tout à notre portée. Tout le monde poste tout, tout et n'importe quoi. Donc, il y a ça fait partie des dangers, des informations erronées. Mm-hmm. Des informations erronées qui peuvent faire partie de ces dangers. Il y a aussi des sites, certains sites-là, qui ne sont pas, qui sont ouverts à tout le monde. Mm-hmm. Par exemple, sur YouTube, les jeunes peuvent aller là-bas et on sait qu'est-ce qu'on peut trouver sur YouTube. Beaucoup d'informations, il y a des films pornographiques. En fait, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de dangers que je ne saurais vraiment pas tous. C'est vrai que ça joue sur plusieurs aspects de la vie de la jeune fille, au-delà même du fait d'être désinformée. Donc, franchement, ça peut jouer même sur sa perception de la sexualité, sur sa perception du rapport aux autres. Je me tourne vers Sakina. T'es raisonnée, c'est bien. C'est super. Normalement, ils devraient tous être comme toi sur les réseaux sociaux. Mais comment, toi, tu gérerais une situation de harcèlement en ligne? Bon, moi, tout simplement, je suis victime d'harcèlement sur les réseaux sociaux. Mm-hmm. Disons presque tout le temps, tous les jours. D'accord. Il suffit que tu fasses un post, quelqu'un atterrit dans ton inbox. Et okay. Généralement, j'ai d'abord appris à maîtriser un peu les paramètres de blocage, d'accord, de signalisation et tout ça. Au départ, j'apprends à d'abord discuter tout simplement avec la personne pour voir jusqu'à où elle veut aller. Et mm-hmm. quand je vois que ça ne m'intéresse pas, je te préviens. Une fois, deux fois, quand ça persiste, je te bloque et je te signale. Et d'accord. Du coup, même, je retire la personne de ma liste d'amis, tout simplement. Et je continue okay. ma route. D'accord. Voilà. OK. Mais ça s'arrête en ligne ou est-ce que c'est déjà allé au-delà du monde virtuel? Jusque-là, pas encore. Ça reste là. OK. Même si, je me rappelle qu'à plusieurs reprises, j'ai reçu des vidéos dans mon inbox sur WhatsApp. D'accord. Sans même connaître d'où venait le numéro. Donc, ça peut être passé de Facebook à WhatsApp. Donc, justement. Dans ton téléphone, et facilement, on t'invite un peu plus dans ton intimité là. Exactement. Puisque sur Facebook, généralement, on met le numéro. Oui. Et dès que tu ne caches pas ton numéro, n'importe qui peut le prendre et t'écrit. Mm-hmm.
Donc, du coup, on m'écrit sur WhatsApp, on m'envoie des vidéos que je ne comprends pas. Je ne sais pas d'où vient le numéro. Je regarde, on n'est pas dans un groupe commun sur WhatsApp. Ouais. Donc, du coup, je bloque la personne tout simplement, sans même savoir, chercher à savoir où est-ce que tu as pris mon numéro, d'où tu me viens. Pas besoin d'explication, on bloque et on avance. C'est ça. C'est une belle stratégie. Alors, Michel Lemon, on le sait, ce qui est souvent, c'est que les filles, c'est des victimes silencieuses. Donc, quand un parent se rend compte, parce que souvent, elle ne le dit pas, mais on se rend compte qu'il y a un truc qui cloche chez la jeune fille. Comment on gère une situation de harcèlement dont sa fille est victime? Comment on gère ça avec elle? Surtout si, en plus, on a l'impression qu'elle s'est un peu exposée, volontairement ou involontairement, naïvement. Comment on gère en tant que parent? Je voudrais d'abord revenir sur l'élément qui a été présenté tout de suite. Vous voyez la tranche d'âge des jeunes qui ont intervenu. Vous voyez que de façon globale, sont conscients du danger que représentent vraiment les réseaux sociaux. Mais ils sont également conscients que c'est un outil puissant de communication, d'expression, ainsi de suite. Donc moi, je suis vraiment content que les gens fassent ressortir ça et qu'on comprenne que c'est vraiment une problématique. Mais en tant que parent, vous l'avez si bien dit tout à l'heure, les choses vont très rapidement, que si nous, si bien que nous-mêmes parents, on n'a pas encore appréhendé tous les contours de cet outil. Mais moi, je pense que les parents doivent se rendre beaucoup disponibles à communiquer avec leurs enfants, et particulièrement avec les filles, sur la question des réseaux sociaux. Parce qu'en amont, il y a un travail de sensibilisation, un travail de communication pour montrer vraiment le bien et le mal. Voilà. Donc, si on s'expose de telle façon sur un espace virtuel qu'on ne connaît pas a priori, on expose son identité, sa vie, il y a un certain nombre de risques auxquels on s'expose également. Donc, en tant que parents, nous devrons travailler, faire ce travail en amont, mais aussi être disponibles vraiment à communiquer, comme je l'ai dit, avec nos enfants. Je prends toujours l'exemple de ce père de famille qui était ouvert. Parce que je suppose que s'il n'avait pas été ouvert, par exemple, sa fille n'allait pas se confier à lui. Et donc, la fille a connu comme ça, en circulation, un monsieur qui lui a fait probablement des jeux doux et qui a pris son numéro. Et par mégarde, le monsieur lui envoie une photo cagoulée 2 ou 3 jours après. Et donc, c'est parce que ses parents sont disposés à la montrer ça à ses parents. Et ça a suscité vraiment la peur. Et tout de suite, les parents ont alerté les services de sécurité. Et on allait comprendre qu'en réalité, c'est impersonnel. En réalité, la photo n'était pas destinée à la fille, mais à quelqu'un d'autre. Ouais. Voilà. Donc, et tout de suite, ça a rassuré la fille, ça a rassuré tout le monde. Donc, vraiment, créons cet espace de communication et d'ouverture avec les enfants. Et travaillons aussi en amont à expliquer vraiment ce qui est bien et ce qui n'est pas, ce qui n'est pas bien. Voilà, donc, à utiliser de manière optimale cet outil-là. Donc le tout de ne pas dire que, de ne pas se laisser dire qu'on est dépassé par les réseaux sociaux, mais au-delà des réseaux sociaux, il y a une base qu'il faut déjà établir pour que, même si le parent est dépassé par l'outil, qu'il y ait une certaine confiance pour que la fille puisse se confier et pour qu'on puisse immédiatement repérer les cas de harcèlement, les gérer pour que ça n'aille pas au-delà de ça. C'est vrai que ça, c'est virtuel, mais très rapidement, ça arrive dans le monde réel. Et même quand ça reste virtuel, ça peut avoir des répercussions terribles sur la vie de la jeune fille. Bon, je suis un peu concernée par le sujet, donc au-delà de faire... Alors, on va aller sur Facebook pour lire quelques messages. On a Donald Badoma qui dit « Tout cela dépend de la facilité de la jeunesse africaine à vouloir se faire beaucoup de choses de diverses. Nature, je n'arrive pas à tout lire. Mais je vois arnaque, escroquerie, se laisser berner comme si nous n'avons jamais reçu une éducation. C'est macabre l'époque de l'insolence. Donc, je ne comprends pas. Mais ce qui est sûr, c'est vrai que l'escroquerie, les arnaques, ça arrive très fréquemment sur les réseaux sociaux et pas qu'aux jeunes filles. Tout le monde peut être victime de ça. Donc, c'est dire que pour les jeunes qui sont innocentes, il faut encore plus les préparer. Alors, on a Oubda qui dit « Merci pour le travail que vous faites en faveur des filles. C'est tout simplement formidable. Courage
et bonne émission. Et il revient pour nous dire, pour se protéger contre le harcèlement en ligne, il faut une prise de conscience collective de la réalité du phénomène afin de s'engager dans le but de mener des activités allant dans le sens de la sensibilisation et de la dénonciation. Alors, Abdoul Aziz qui vient pour dire que la responsabilité revient aux parents. Donc, chers parents, vous êtes interpellés. Francky Yogo, le harcèlement de la jeune fille sur les réseaux sociaux est inévitable. Ma proposition pour la protection contre ce fléau, c'est tout simplement dire aux filles d'être prudentes et de savoir s'en prendre à ces derniers tout en conjuguant l'éducation qu'on a reçue. Et puis, permettez-moi de dire aux filles qu'elles doivent analyser certaines photos avant de les poster, comme photos de profil ou de couverture. Ça attire. Il dit, ça attire, hein, wallahi. Et il rit. Donc, les filles, vous êtes prévenues. Bonne émission, j'attends l'émission sur le harcèlement des garçons aussi. On va en parler, ne vous en faites pas, parce qu'effectivement, il y a des garçons qui sont également victimes de harcèlement. Mais le 11, c'est la journée de la jeune fille. Donc, on parle de la jeune fille, mais on n'oublie pas le jeune garçon. Vous avez vu, on a même donné la parole au jeune garçon. Alors, Khadija qui dit... ok, d'accord, donc, ça c'est un conseil pour nous. Et la responsabilité revient aux parents. Merci pour le travail que vous faites en faveur des filles. Son nom c'est Dis le tranquilliseur Narcisse. Once, lui il nous dit Internet en lui-même est en danger, mais aussi une opportunité. Chassons l'utiliser et d'en tirer profit. Pour votre sujet, je dirais de prime abord de sensibiliser les parents sur l'utilisation des réseaux sociaux. Donc ça revient, il faut que les parents se préparent, il faut qu'ils soient outillés, il faut que les filles fassent très attention. C'est vrai qu'on dit fais attention à toi, ne t'expose pas, mais tu as beau ne pas t'exposer, le harceleur, quand il veut te harceler, tu seras harcelé. Donc il faut savoir justement quel comportement adopter quand on face à du harcèlement. Et justement, on a la chance d'avoir des filles qui sont conscientes de la situation, qui revendiquent leur liberté en ligne, qui disent qu'elles ont le droit d'être sur les réseaux sociaux, d'être libres, mais en sécurité. On a une vidéo, on la regarde et on revient. Je suis là aujourd'hui pour vous parler de notre liberté et notre sécurité en ligne. Nous devons tous nous engager pour pouvoir avoir des remarques et des opinions sincères, justes, est vrai. Moi, j'utilise particulièrement les réseaux sociaux tels que Facebook et WhatsApp pour avoir les nouvelles du monde entier et ceux de ma propre fille, donc Gawa. Et pour cela, j'ai envie d'être libre et me sentir en sécurité. J'utilise les réseaux sociaux pour m'informer, me distraire, donner et recevoir des conseils. C'est une fois publié pour conseiller mes camarades en disant ceci. C'est vrai que le mourant avait... Mais c'est mieux de savoir aimer celui qui t'aime et non pas aimer tous ceux qui te disent « je t'aime ». Cela permet d'éviter d'éventuelles blessures psychologiques. D'autres personnes ont mal interprété ma publication et m'ont demandé de les supprimer et je les supprime. Cela m'empêche d'être libre en ligne. Il y a des personnes qui ont accès à mon compte sans que je n'accepte leur invitation. Ils m'envoient souvent des photos et des vidéos, par exemple des photos de maraboutage et de pornographie. J'aimerais vraiment me sentir en sécurité quand je suis en ligne. En tant que jeune, j'aimerais me connecter sur les réseaux sociaux pour pouvoir avoir des informations et en recevoir. Les réseaux sociaux pour moi est un outil de communication. Il a bien d'autres aspects positifs et non pour nuire. J'en fais un outil d'éveil et de conscientisation de la jeune fille. Mon souhait, c'est de pouvoir accéder en toute liberté et en toute sécurité à l'Internet. La lutte continue. Merci. On a besoin de Facebook, de WhatsApp, de catalogue, de Nike. Nous avons besoin de catalogue, de Facebook, de WhatsApp. Continuez à conseiller ma mère, de classer ma maman. Je voudrais avoir accès aux réseaux sociaux pour m'informer et m'instruire. Mais malheureusement, je n'ai pas d'argent pour payer les mégas. Même si Facebook est gratuit, je n'ai pas accès aux images et aux vidéos. Quand j'ai parlé avec le WhatsApp, moi, parmi qui va y avoir une étape. En tant que jeune fille, j'utilise les réseaux sociaux pour chercher des informations,
me divertir, donner et recevoir des conseils. Pour ce faire, je sollicite les parents, amis et frères de laisser les filles utiliser les réseaux sociaux en toute liberté. J'utilise les réseaux sociaux dans le but de me divertir, conseiller. Comme bon nombre de filles, j'ai une fois été victime des propos et des agissements des agresseurs sur les réseaux sociaux. C'est la raison pour laquelle nous prônons liberté et sécurité en ligne. Mambe réseaux sociaux ramba poa, nande ne la mamsa anumtawa, elle est bien dit qu'il y a une manziga, un bébé, tout pour savoir, ensemble, qui est lui. La tonne kosovo, y a son ton d'autre, les réseaux sociaux ramba yézinga, pour savoir une fin qui est. Nous sommes en tawa, là-bas au bain. En tant que jeune, je souhaiterais me connecter sur les réseaux sociaux. Mais souvent, la connexion n'est pas bonne. En plus, les migrants sont chers. Moi, j'aimerais utiliser les réseaux sociaux pour communiquer avec les autres filles du monde. Mais le coût du téléphone Android est très cher. Donc, le manque de ce téléphone est un obstacle à mon accès à l'Internet. Les réseaux sociaux devraient être un lieu de recherche d'informations et de distractions. Mais malheureusement, cela s'avère compliqué, non seulement à cause de la mauvaise connexion, mais aussi des personnes malhonnêtes qui y sont pour des pratiques obscènes. Alors, j'aimerais me connecter en toute sécurité. Voilà donc des messages qui entrent vraiment en droite ligne avec le thème de cette année, donc liberté, sécurité en ligne pour les filles. Donc, c'est encourageant de voir des filles qui tiennent ce type de propos, mais on se rend compte que c'est dans le cadre d'une campagne. Comment cette vidéo a été faite ? Et déjà, j'aimerais préciser que cette vidéo, toutes les filles qui ont participé, qui ont donné leur message, sont des filles de la plateforme. D'accord. Girls Out Loud Burkina. Okay. Je précise que le nom de la plateforme est Yad Pougnet Burkina. Yad. Voilà. Yad Pougnet. C'est dans quelle langue? C'est en moré. Bon. Ok. Ça veut dire Yad Tant Pougset Ba Neta Ba. Ah, donc j'ai d'accord. découpé, on a. Coupé. Voilà, on a collé. coupé, voilà, okay. collé. Donc elles utilisent les réseaux sociaux. C'est Kina également de la plateforme? Oui. D'accord. Elles utilisent des réseaux sociaux et elles ont des expériences. Et les messages qu'elles ont donnés, c'est juste ce qu'elles ont vécu. D'accord. Voilà. Donc, on a commencé comment? Je leur ai dit, voilà, la thématique de cette année, ça parle de liberté, accès et sécurité des jeunes filles. Quelles sont celles qui sont volontaires pour donner des messages? Il y a eu beaucoup. D'accord. Donc, ces filles, il y en a qui sont de Gawa, Kaya... Koudougou, Koupela, ouais. c'est voilà, puisque l'initiative couvre toute l'étendue du territoire. Voilà, heureusement, on a des points focaux que je salue mais beaucoup et qui nous ont aidés à avoir ces vidéos. Donc, on a coordonné de sorte à ce que on tourne dans ces localités où il y a des volontaires pour enregistrer ces vidéos-là. On a utilisé juste un petit téléphone portable, on avait utilisé juste un moyen de bord, puisque ouais. bon, les jeunes, on n'est pas trop dans c'est les le messages. Voilà, voilà, voilà. Donc c'était comme ça, celles qui n'ont pas encore 18 ans, on est passé par leurs parents pour avoir leurs autorisations parentales. Voilà. Donc on a enregistré, ce sont des messages qu'elles-mêmes elles ont conçus vu leur utilisation sur les réseaux sociaux. Donc on a aussi beaucoup de messages en fait, ça fait beaucoup de messages. Bah oui, on a reçu une longue vidéo et justement. On a vraiment essayé de c'est ça. Mais, donc mais elles c'est... ont exprimé leur besoin d'avoir accès. Ouais. Voilà, liberté, ça parle beaucoup de il y a celles qui ont besoin d'avoir accès, il y a celles qui ont besoin de se sentir libres, il y a voilà. celles qui ont besoin de sécurité. Il y a celles qui ont besoin même d'avoir la connexion là où elles sont, puisque voilà. La couverture en termes d'Internet sur l'étendue des territoires, ça aussi, ça pose problème. Mmh. Donc, il y a beaucoup de sous-thématiques qui rentrent dans ce gros thème-là. Donc, oui. vous voyez que c'est vraiment c'est beaucoup énorme. De soucis. Oui, voilà, vrai. Donc, elles ont exprimé vraiment leurs besoins à travers beaucoup d'aspects. Il y a l'aspect de coût à l'Internet. Il y en a qui a dit qu'elle utilise, elle n'a pas d'argent, même si Facebook est gratuit, elle n'a pas accès. Voilà, il n'y a pas d'image. Donc vous voyez que c'est vraiment difficile pour ces filles-là. C'est compliqué. C'est voilà, vrai. Donc elles ont exprimé leurs besoins. Ouais, c'est clair. Alors donc, il ne nous reste pas beaucoup de temps pour échanger. Donc on va faire peut-être un dernier tour de table pour que chacun puisse dire ce qu'il n'a pas eu l'occasion de dire et qu'il souhaite dire. Je suis obligée de mettre le il parce qu'il est là, il est seul. Bon, on est obligé. Sakina. Je tiens vraiment à vous dire merci pour cette opportunité. Vraiment, les réseaux sociaux, ce n'est pas un truc simple, surtout quand on ignore l'utilisation en tant que jeune fille. Et la plupart de toutes ces personnes qui sont vraiment victimes des harcèlements et tout, c'est plus la jeune fille, tout simplement parce qu'elle ignore. Donc, j'aimerais vraiment dire à toutes les filles,
de savoir ce qu'elles cherchent en partant sur les réseaux sociaux. Parce que c'est ça aussi le souci. Faut avoir un objectif en allant sur Facebook. Qu'est-ce que je vais en faire? Mais quand tu vas sur Facebook, juste parce que tout le quartier est sur Facebook, facilement, tu vas tomber dans le piège. Donc, savoir, avoir d'abord un objectif, chercher à connaître comment ça s'utilise et en faire un usage vraiment sain, très bien, pour être libre. Et en sécurité. Et en sécurité aussi. Merci beaucoup, Sakina. Monsieur Elémou. Grand merci pour cette opportunité. Je pense que nous sommes au cœur de nos défis. Lorsque je traversais ici pour entrer, j'ai vu ça à la porte. Je sais toujours, comme je suis à la BFN. Bon, en tant qu'ONG internationale, en tant qu'organisation internationale, l'ensemble des attentes qui ont été révélées à travers cet élément, c'est-à-dire l'accès, la sécurité, la liberté et tout ça, interpellent beaucoup de gens, beaucoup d'organisations. Et nous, en tant qu'organisation ONG internationale, on a voulu vraiment poser, en faire une thématique cette année, poser la problématique pour faire non seulement du plaidoyer, mais aussi conscientiser et attirer l'attention des décideurs, des parents et puis les filles elles-mêmes. D'accord. Donc, merci de nous avoir donné cette opportunité. Merci beaucoup. Corinne, pour terminer, très rapidement. Merci. Je remercie d'abord le BFN qui nous a accordé ce plateau aujourd'hui pour parler de notre thématique de cette année. Voilà. Donc, Plan International est toujours là pour protéger les filles et dans tous les aspects de leur vie. Même dans le domaine virtuel, Plan International est là pour accompagner ces jeunes filles. Et Plan International est là pour toujours faire ce plaidoyer-là à toute la communauté entière, afin que les jeunes filles aient l'accès à l'Internet, mais être sécurisées. Voilà, d'accord. Donc, parce que dans ce monde actuellement-là, vous voyez que tout est devenu virtuel avec cette d'accord. situation de Covid. Donc, vraiment, le plan international est là à côté de ces filles pour qu'elles aient vraiment un accès sécurisé. Merci beaucoup à vous. C'est très important. Vous le savez, sur Internet, on est obligé d'y aller. On n'est pas obligé de se mettre en danger, mais malheureusement, on n'a pas en face de nous des bonnes personnes. Donc faites attention à vous, faites-en un bon usage et n'oubliez pas, si vous êtes victime de harcèlement, il faut le dire, il faut en parler pour régler le problème. On se dit à la semaine prochaine. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci de rester fidèles au programme de BF1. À la semaine prochaine. Au revoir. Merci beaucoup à tout le monde.